Monsieur Fortin, préfet suppléant de la MRC Maria Chapdelaine et maire de Normandin, Madame Chiasson, mairesse d'Albanais, je sais pas si elle est présente, oui. Vous êtes descendue. Ah oui, bonjour. chers élus, partenaires et médias, bonjour et bienvenue au lancement officiel de la stratégie Agri-Relève de la MRC Maria Chapdelaine. Cette stratégie collective vise à soutenir la relève agricole sur le territoire de la MRC Maria Chapdelaine. Elle regroupe 12 partenaires et intervenants autour d'une porte d'entrée unique qui est le MAPAC, afin de faciliter les démarches de la relève agricole dans la MRC de Maria Chapdelaine. J'inviterai M. Mario Fortin d'abord à venir nous dire quelques mots sur la stratégie. Bonjour tout le monde. Je vous remercie d'être présent pour cette importante annonce concernant la relève agricole. Tout d'abord, je dois vous dire que M. Boivin n'a pu être ici aujourd'hui pour des raisons de santé. Il est en convalescence. Il devrait revenir dans les prochains jours. Et il me fait le message de dire qu'il aurait adoré faire cette annonce-là aujourd'hui parce que M. Boivin a à cœur l'agriculture et le projet qu'on va déposer aujourd'hui là, était vraiment le fruit d'un travail. Et en pensée, il est avec nous autres aujourd'hui. Alors, je vais essayer d'être fidèle à sa pensée. C'est un moment historique aujourd'hui pour la MRC Maria Chapdelaine pour deux raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, on a une centaine de personnes réunies pour un forum sur l'agriculture, un forum qui a été organisé par rapport au plan des activités agricoles de la MRC Maria Chapdelaine. Alors, la MRC Maria Chapdelaine s'est donné un plan de développement des activités agricoles. Et aujourd'hui, on a réussi à asseoir tout le monde autour d'une table et par des présentations, par des échanges, renforcer notre agriculture au niveau de la MRC. Deuxième journée historique, la MRC aujourd'hui annonce un programme Agri-Relève qui va permettre à nos jeunes au niveau de la MRC Maria Chapdelaine de venir s'installer chez nous, les transferts de ferme et de faciliter l'accès à des fonds pour la relève agricole et même à instaurer des nouvelles entreprises. Vous savez, la relève agricole pour la MRC Maria Chapdelaine est un incontournable. On a des magnifiques champs, on a des belles installations et il faut s'assurer que les gens, la prochaine génération, soient en mesure de prendre la relève et de développer l'agriculture. Depuis plusieurs années, la MRC Maria Chapdelaine, dans sa vitalité socio-économique, fait place de plus en plus à son agriculture. On a la forêt, on a l'industrie, l'agriculture est présente, on l'a peut-être un peu mis sur la voie, pas à côté, mais on l'a peut-être tossé un peu. Mais aujourd'hui, le message qu'on veut dire, c'est que oui, l'agriculture, la MRC, c'est important. Et c'est important de la soutenir dans différentes actions. Oui, la relève agricole, mais il va falloir la soutenir dans des actions concrètes pour que la relève s'assure qu'on est là et qu'on va les aider. La stratégie Agri-Relève, ça va favoriser la pérennité des projets de relève agricole, comme je disais, puis elle va permettre à des jeunes de venir s'établir. Puis aujourd'hui, il y a plusieurs programmes qui existent. Vous allez voir les partenaires tout à l'heure, une douzaine de partenaires qui se sont associés à la démarche. Alors, ce qui va être facilitant là-dedans, c'est que le jeune va avoir une porte d'entrée, ou le promoteur va avoir une porte d'entrée, et tous les intervenants vont arriver et il va avoir une réponse de donner. Oui, tu es admissible au programme et voilà ce qu'on est capable de t'offrir et chacun des partenaires va contribuer. Alors, c'est ça qui est nouveau dans l'approche qu'on prend aujourd'hui. C'est unique au Québec, c'est un modèle qu'on va développer. Je peux vous dire que les gens ont commencé à travailler en petits groupes et vous avez vu 12 partenaires qui se sont associés et il a fallu resserrer un peu parce que je pense qu'on aurait fait un projet régional puis peut-être provincial, tellement les gens étaient emballés par la façon dont nous autres on voulait travailler. Alors, je suis fier d'être là aujourd'hui, étant un fils d'agriculteur, je le dis, puis je suis fier d'être un fils d'agriculteur, avoir travaillé en agriculture pendant 35 ans dans ma région. Alors aujourd'hui, je suis fier de redonner aux jeunes la place qui leur revient au niveau de l'agriculture. Alors, je vous remercie et on vous dévoile la fameuse stratégie. Ben oui, merci beaucoup, M. Fortin. Je vais maintenant passer la parole à Dominique Tremblay, qui est directeur général à la Coop des Beurises, qui est un des partenaires de la stratégie Agri-Relève. Puis il va nous présenter justement cette dite stratégie collective. Donc, en gros, moi, comment que ça a commencé? Je ne suivrai peut-être pas tout de suite la présentation. Je vais faire une petite introduction pour jaser avec le monde. Mario Taberge, il arrive dans mon bureau, ça fait déjà plus qu'un an de ça, avec cette idée-là. De rassembler tous les fonds disponibles, parce qu'à gauche et à droite, on entend des jeunes qui se démarrent, ils vont chercher un, deux, trois programmes, mais aucun nous a dit
avoir reçu la totalité des programmes, j'en ai pas profité au complet. Fait qu'on se disait, crime, il faut trouver une façon, un shortcut, un raccourci, pour que ce jeune-là qui a un projet soit pas obligé de cogner à 12 portes différentes, dans 12 programmes différents. Donc, en réfléchissant tous et chacun de notre côté, puis ensemble également, on a réussi à amalgamer l'ensemble des protocoles, puis de respecter les critères de chacun pour donner une possibilité à n'importe quel jeune qui veut démarrer une entreprise, qui veut faire de la transformation, acheter des terres, d'avoir accès à ce financement-là. Puis la clé, nous, dans nos consultations, on savait que les jeunes, la relève, on dit qu'il n'y en a pas, mais c'est pas vrai, il y en a. J'ai participé la semaine dernière à une journée du MAPAC consacrée à la relève. Il devait y avoir une centaine de personnes dans la salle. C'était beau de voir ça. C'était des jeunes intéressés qui voulaient s'investir en agriculture et en faire une carrière. Puis, de façon générale, quand on les consulte, c'est pas la volonté qui manque, c'est le capital. On a découvert un partenaire essentiel à notre stratégie qui est FIRA, qui était un fonds fait expressément pour ça, qui n'avait pas les succès que les gens qui l'ont mis en place espéraient. Mais quand ils ont vu ce que nous, on faisait, ils ont dit que c'est la meilleure façon d'avoir une porte d'entrée sur un territoire précis, d'avoir un lien direct avec les releveurs. Donc, nous, on embarque. Fait qu'à partir du moment où on a eu ce gros morceau-là qui était FIRA, tous nos autres programmes complémentaires prenaient une certaine valeur en plus de notre spécificité technique à chacun. Donc, on savait qu'on tenait de quoi. Ça a été compliqué à mettre en place parce qu'on a tous des barèmes, on l'a dit tantôt. Mais en même temps, on voulait le même résultat. On y est arrivé aujourd'hui. Ça a pris beaucoup d'efforts, mais on est très content d'avoir de quoi de concerter qui fait l'unanimité. Donc, je vais y aller plus méthodiquement maintenant avec la présentation, s'il vous plaît, Christine. Donc, on va y aller rapidement. On a une demi-heure, puis on veut avoir des questions. Donc, moi, je vais défiler quand même succinctement là, les détails, puis vous pourrez ensuite là, nous interpeller sur peu importe le sujet. Donc, un petit plan de la présentation, je vais le passer. Donc, AgriRelève, on l'a dit, regroupe 12 partenaires du milieu agricole autour d'une porte d'entrée unique. Ça, c'était essentiel. Si le jeune rentre à la coop avec un projet, il rentre au CLD avec un projet, le mot d'ordre est donné, il y a une personne de contact au MAPAC. Donc, la personne doit inscrire son projet dans la stratégie AgriRelève auprès du MAPAC, qui, eux, font une première analyse de l'admissibilité, puis ils disent « oui, go », ils nous envoient au comité. Puis ensuite, le jeune peut faire son projet soutenu par le groupe Multiconseil agricole. Donc, on travaille sur trois volets, l'aide financière, support technique et partage d'informations qui est essentiel en agriculture. Les gens travaillent en collaboration bien souvent. Donc, les objectifs. Ces objectifs-là, on les a formulés, je pense, à la première rencontre. Donc, on savait exactement où on s'en allait, puis on ne les a jamais retouchés, à moins que je me trompe, mais il me semble qu'on a entendu, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on fait, donc je vous les lis. On voulait faciliter l'établissement de la relève agricole sur le territoire de la MRC, parce que c'est vraiment un projet unique, MRC, on ne parle pas du comté ou de la région. On veut assurer l'occupation dynamique durable du territoire. On veut valoriser l'activité agricole en région nordique et en promouvoir la diversité. On veut favoriser l'entrepreneuriat local agricole, consolider une économie de propriétaires, offrir un accompagnement simplifié et informer sur la disponibilité de propriétés agricoles. Donc, je l'ai expliqué un petit peu brièvement, la personne rentre au MAPAC. On lui attribue un conseiller unique, donc elle n'a pas 8, 12, 15 conseillers à qui qu'elle doit convaincre de son projet. C'est la seule personne qui est au groupe Multiconseil agricole, qui montre le plan d'affaires, qui fait les démarches auprès des partenaires. Fait qu'on simplifie beaucoup, beaucoup l'accès au financement pour les releveurs. Ensuite, les partenaires prennent position en fonction de chacun de nos programmes respectifs. Puis, ce que le jeune peut recevoir à la fin du processus, c'est « tu es admissible à 7 aides sur les 12 possibles en fonction de ton projet. » Donc, tu auras une enveloppe globale pour démarrer, à titre d'exemple, 125 000. J'ai dit un chiffre comme ça. Mais on peut aller avec ce qu'on a localement. On a additionné des… Ce n'est pas de l'argent nouveau, c'est juste l'argent que chacun a. On peut aller jusqu'à 188 000, je pense, grossièrement, pour aider un projet. Donc, c'est quand même substantiel. Ça, ça ne compte pas le programme FIRA qui lui permet d'acheter la terre et de la financer sur un horizon de 15 ans en termes de location. Donc, le jeune peut prendre le temps d'opérer avant de devenir propriétaire de la terre. L'aide financière, je l'ai pas mal dit. C'est ça. On a tous modulé nos programmes légèrement, mais on savait qu'il y avait beaucoup de critères communs, puis qu'on était capable de faire une ligne directrice quand même assez logique. Donc, la relève, je l'ai dit, on aura un accès à des fonds et des services pouvant totaliser près de 180 000 $ grâce au programme des différents partenaires. Puis l'information, bien, c'est sûr qu'il y a une synergie parce que le projet, dans une réunion, il y a à peu près les 12 intervenants les plus importants du financement agricole et de l'opération agricole qui sont au courant du projet du jeune. Donc, il y a un encadrement naturel qui va se faire. Puis la stratégie, c'est sûr que pour la faire connaître, aujourd'hui, c'est la première étape. On la lance, on l'annonce. Mais ça sera beaucoup des efforts de communication que la MRC devra assumer. Puis ça a été bien reçu de leur part qui ont pris en charge ce projet-là. Donc, il va y avoir le développement d'une image de marque et de matériel promotionnel. Vous voyez déjà les cartes d'affaires, le logo est fait. La mise en place d'un site web, il va être en ligne bientôt. Une tournée de présentation auprès d'organismes ciblés.
On veut que la stratégie soit présente dans les activités qui rassemblent les jeunes, les activités de la FAC, les activités de l'UPA. Ça sera une belle place pour que la stratégie agri-relève soit mise en valeur. On veut aussi faire de la publicité dans des médias spécialisés. Donc, on ne lancera pas des publicités dans 15 000 foyers parce qu'on sait que la clientèle à qui on s'adresse est bien spécifique. Donc, c'est pour ça qu'on veut orienter nos efforts de communication directement. Puis, c'est pratiquement du bédaine à bédaine en agriculture, là, permettez-moi l'expression. Les jeunes, on les connaît, c'est le fils d'un tel, puis on va le voir directement. Fait que on n'a pas besoin d'avoir des grandes stratégies médiatiques pour se faire connaître. Pour les cédants, c'est aussi un avantage, puisque grâce à nos outils, ça offre de la visibilité aux cédants qui pourront mettre la disponibilité de leur terre à vendre, puis offrir des opportunités d'affaires, puis avoir un meilleur, probablement une meilleure possibilité de vendre, parce qu'il va se manifester des nouveaux acheteurs qui n'auraient pas eu accès au capital autrement que par la stratégie. Donc, c'est bon pour les cédants autant que pour les acheteurs. Perspective d'avenir, bien, c'est sûr que là, c'est le lancement. On est à la phase 1 du projet. On a déjà fait un test avec un jeune producteur qui avait un projet dans le coin d'Albanel, si je ne me trompe pas. Puis, on est en rodage. On a commencé par un beau petit projet, puis ça a bien marché. Fait qu'on sait exactement vers où on s'en va. Donc, dans le futur, il y aura la mise en place d'un répertoire des opportunités d'affaires grâce à l'adhésion à un site Banque de Terre qui va être Agro-Transfert. C'est ça le nom qu'on a adopté. Donc, le principe banquedeterre.com, mais vraiment spécifique au territoire ici. Il y aura le fonds d'aide à l'établissement de la relève et la mise en place d'un service de mentorat. Donc, en plus du financement, on veut accompagner le jeune pendant 2 à 3 ans pour que son entreprise prenne bien le temps de rouler et soit rentable. La maquette du site web, vous l'avez. Toujours pas en ligne, mais il va ressembler à ça. Donc, on veut une image jeune, dynamique et attrayante. Je pense qu'on a un beau travail au niveau graphique. Le logo, moi, je l'aime beaucoup. C'est dur de faire l'unanimité dans des logos, mais celui-là, moi, je l'ai bien aimé. Puis la liste des partenaires maintenant, si vous voulez les connaître, je pense qu'on va les afficher à l'écran. Sans tous les nommer, en fait, vous avez les joueurs majeurs du développement agricole de la région. Donc, on est bien fiers. Puis plus le projet avançait, plus le nombre de participants augmentait. Donc, c'est un bon signe. Souvent, dans des activités de mobilisation, on part des tables de 15, puis on finit 4. Là, ça a été l'inverse. On a parti 2-3, puis on a fini 15. Donc, c'est un beau succès pour nous, puis on est bien content de vous l'annoncer aujourd'hui. Donc, si vous avez quelques questions que ce soit, on est disponible pour ça. À mon âge. Personne n'est à l'abri de perdre son emploi. Personne n'est à l'abri d'avoir une maladie. Personne n'est à l'abri de tout perdre. Personne n'est à l'abri de l'indifférence et de l'itinérance. C'est grâce à l'appui de tous que j'ai pu m'en sortir. Merci, Dominique. Bonjour à tous. Vous dire que ça me fait plaisir d'être ici, je suis pas certain. Je suis plus à l'aise à la firme, présentement. Quand on m'a demandé d'agir à titre de président d'honneur du forum, pourquoi Gérald Rousseau? Il n'y a pas pensé à son affaire certain. Sauf qu'il m'a donné une semaine, c'est Guy Grenier qui me l'a demandé. Lui est convaincu de m'avoir convaincu d'accepter. Mais c'est pas pour Guy Grenier que j'ai accepté. La personne qui m'a convaincu, je ne sais pas qu'elle m'a convaincu, peut être absente aujourd'hui parce qu'il est malade, c'est M. Bourvin. À 2-3 occasions, dans des interventions que M. Bourvin a faites aux producteurs agricoles, il disait, vous autres, le monde agricole, c'est particulier. Ça me faisait réfléchir. Pourquoi le monde agricole, c'est si particulier que ça? Ça a fait réfléchir. Puis, c'est sûr que la journée qui se passe aujourd'hui, c'est une première. Mais dans mes réflexions personnelles que j'ai faites par rapport à ce que M. Bourvin disait, je pense qu'aujourd'hui, nous autres, les producteurs agricoles, on se devait d'être là. On se devait d'être là parce que c'est une des rares fois, moi, depuis que je suis en production agricole, que le monde politique, que les gens qu'on côtoie nous offrent cette tribune, nous offrent la chance de pouvoir travailler ensemble. Puis on a vu tantôt le lancement qu'il y a eu là, à propos d'Agri-Relève, c'est un bel exemple. Je pense qu'on est après bâtir quelque chose dans MRC. C'est ce qui m'a convaincu d'être ici, présentement. C'est pas vraiment mes implications, c'est plus Gérald Rousseau qui pense qu'il devait accepter, accepter l'offre qui était faite. C'est qui Gérald Rousseau? Né en
Si vous permettez, on va prendre les notes. Je suis content de ne pas être debout. Probablement, même arrêté, ça marcherait tout seul. Né en 1954, à Saint-Stanislas, deuxième d'une famille de 8 enfants, cinquième génération de Rousseau sur le territoire de la MRC en agriculture. Je dis cinquième génération sur le territoire de la MRC parce qu'à l'époque de mes ancêtres qui sont arrivés en agriculture, Saint-Stanislas n'existait pas. C'était le grand Mistassini. Cinq ans d'école à l'école du Rhin, deux ans à l'école du village, six ans au secondaire pour avoir un secondaire 5. Puis, vous pouvez me faire confiance, mais c'est toujours organisé pour que mes professeurs y gagnent mieux salaire. Nous autres, chez nous, quand j'étais jeune à la ferme, pour moi, vacances, ça voulait dire pas aller à l'école. Parce que quand on n'allait pas à l'école, c'était le travail. C'était le travail à la ferme. Je pense que c'était le même dans le temps. Tu sais, tu avais quasiment le nombre de vaches en fonction du nombre de personnes que tu avais dans la famille. Ça prenait des bras. En 1974, Gérald prend une grande décision, finit l'école. Mais moi et ma mère, les études, c'était quelque chose. C'était essentiel, fait qu'il a fallu que je parte dans le bois un mois et demi, pas qu'elle me voie, pas parce que j'avais été accepté au cégep, mais je voulais pas y aller, fait que pas qu'elle me barre, ben j'ai parti. Quand je suis revenu, j'ai eu un petit... on a eu un petit ajustement, mais ça a bien passé pareil. Donc, je suis devenu ouvrier agricole. Travaillé pour mon père. De 1974 à 1979. Je vais vous parler de 1975 parce que pour moi, c'est une année importante. J'ai réussi à convaincre un petit Bouchard de Mistassini qu'on était fait pour vivre ensemble. Fait qu'on a tout ajusté ça, puis on a réglé ça en 1975. Puis depuis ce temps-là, on est encore fait pour vivre ensemble. Ça va faire 40 ans bien vite. Ma conjointe n'est pas ici aujourd'hui parce qu'on est grands-parents. Il y avait un rôle de grand-maman à faire aujourd'hui, puis elle n'est pas là pour ça. Je vous dis ça parce que c'est extrêmement important, je pense, dans notre métier d'agriculteur, l'entourage, les gens qui nous supportent, les gens avec qui on vit. Sinon, ça pourrait être... tu viens un temps, tu peux manquer de gaz. Puis moi, ma conjointe m'a toujours soutenu là-dedans, puis je tiens à le dire, ça a toujours été important pour moi, la famille. 79, l'acquisition de la ferme familiale. Avec un associé. Parce que moi, mon père, il avait le poumon de fermier. Il a été obligé d'abandonner l'entreprise. Puis, j'étais peureux pas mal, j'étais inquiète. En tout cas, je savais pas trop ce que je faisais. J'avais le goût de le faire, puis je savais pas si j'allais être capable de le faire. Puis, on voit des jeunes aujourd'hui, puis je sais ce que j'ai. C'est très ce que j'ai vécu. Pourtant, je me dis, j'ai pas si mal réussi que ça, là, tu sais. Puis, c'est ce que j'ai vécu, même que mon père est obligé de vendre. Il y avait une promesse de vente de signer avec quelqu'un. Puis la seule clause qu'il y avait dans sa promesse de vente pour reculer, c'était si jamais un de ses enfants qui était intéressé, il avait le droit de reculer, c'était écrit dans la promesse de vente. Le matin qu'il est parti pour aller signer la vente définitive, il dit Gérald, c'est encore le temps. Mais il dit dans 5 minutes, il va être trop tard, il va être parti. Il n'y avait pas le cellulaire dans ce temps-là, ça n'aurait pas pu le rappeler. C'est là que j'ai dit ouais, là je voyais partir ça. Là. J'ai dit oui. Mais c'est un associé qui était Jacques Gay. On a travaillé ensemble pendant 5 ans à ferme. Mais on avait quand même déjà des objectifs différents dans l'entreprise. Fait que finalement, en 1985, je suis devenu propriétaire unique de l'entreprise. C'est sûr que, avec ce que j'avais vécu à l'école, il manquait un peu de formation. Donc, j'ai suivi des formations ponctuelles. Des cours de comptabilité, de gestion de ressources humaines. Je me suis impliqué gros aussi au début des années 80 dans les organismes agricoles. Relève agricole, CAB, différentes organisations agricoles. Aussi, en 1980, c'est l'arrivée du premier enfant, Nathalie. On a eu 4 enfants de 80 à 87. Ce qui fait que moi, dans les années 80 à 90, en 82-83, j'ai laissé pas mal mes occupations, mes implications dans le monde agricole. Puis, je me suis concentré plus sur la famille, puis je jouais au cowboy à travers ça. J'ai toujours aimé mes chevaux, fait que ça me permettait là, de me libérer une fois de temps en temps.
C'est sûr qu'à cette période-là, la ferme a pris beaucoup de l'augmentation de la productivité. Mais moi, l'agriculture, on aurait dit que ça ne me souriait pas encore à cette période-là. Parce que moi, là, je travaillais. Puis quand il n'y avait plus rien à faire, pour passer le temps, je travaillais. C'était ça. Puis à un moment donné, il a fallu faire un examen de conscience. Il a fallu voir où est-ce qu'on voulait aller avec ça. D'où l'importance de savoir dans ma tête d'où on vient, ce qu'on a, puis où on veut aller. Donc, on a pris des choix extrêmement importants en 90. On a changé complètement de production. Partir de la production laitière, partir en production bovine avec une nouvelle production, un nouveau défi. Mais quelque chose d'extrêmement intéressant, moi, ça m'appelait. Ce que je savais pas si on allait réussir, mais je me disais, essayez, c'est pas pire. Si on manque notre coup, c'est pas pire qu'arrêter là. On arrêtera plus tard. Puis finalement, on est encore en agriculture aujourd'hui. Aujourd'hui, la ferme, l'entreprise, où est-ce qu'on est rendu, nous autres, la priorité pour l'entreprise, au jour d'aujourd'hui, c'est de préparer un transfert de ferme. Parce que sur la ferme, nous autres, je vous l'ai dit tantôt, on a 4 enfants. On a une, il y a Nathalie la plus vieille. La deuxième est en production agricole à Alma. Elle a fait son cours à l'option de CEP à Alma. Puis elle a trouvé son conjoint là, s'est organisé avec son conjoint. Ils ont pris la ferme familiale du Vorelu, puis on ferme la tière à Alma. Puis Christian, le deuxième qui est ici, est intéressé à l'entreprise agricole. Il travaille avec moi, ça fait je ne sais pas combien de temps. On a pris un contrat d'un an, puis ça fait plusieurs années qu'on l'a poursuivi. Ça a l'air bien allé. Puis là, on est après s'organiser. Je ne sais pas, Christian, tu pourrais peut-être l'identifier. Il est dans la gang, là. C'est lui, là-bas. Il est avec sa conjointe, Katia. Pour nous autres, là, on est après préparé une suite. Une suite au niveau des opérations, une suite au niveau des décisions et de la gestion de l'entreprise. C'est à ça qu'on travaille présentement. C'est certain que nous autres, comme je dis souvent, c'est notre fonds de pension, l'entreprise, puis c'est certain qu'on va toujours être collé le long de ça, mais je pense qu'il faut savoir se tasser quand c'est le temps de laisser la place aux jeunes. Puis, pourquoi est-ce qu'on s'implique? Pourquoi je continue de m'impliquer? Parce que moi, je me dis que la meilleure façon de prédire l'avenir, là, c'est de le créer. C'est ce que ça m'a dit, moi, ce que j'ai vécu à venir jusqu'à cette heure, la famille. Si tu veux quelque chose, crée-les, fais-les. Il y a des bonnes chances que ça se réalise. Ça a été notre façon de voir un jusqu'à cette heure. Et si je reviens, pourquoi est-ce que les agriculteurs, on est un monde particulier? Il a fallu que j'aille chercher loin. J'ai fait l'histoire un peu de notre territoire, de notre MRC, de mes 5 générations, dans le fond, de Rousseau, dans la MRC. Notre MRC, elle s'est développée dans 3 territoires. Il y a 3 territoires à 3 étapes différentes qui s'est développé. Il y a le secteur Normandie-Albanel qui a commencé dans les années 1878-1880. Dans ce temps-là, les gens, de la façon de travailler, il y avait un intérêt ici parce qu'il y avait accès ici à Normandie-Albanel. De toute façon, les personnes qui étaient venues sur le territoire voyaient ça comme le grenier du Québec. C'était des belles plaines, puis c'était quelque chose d'extrêmement important à l'époque. Puis, le seul moyen de se développer dans le temps, c'était d'avoir accès à des marchés. Le marché ici, au Lac-Saint-Jean, c'était Robertval. Parce que le noyau était Robertval dans le temps, dans cette époque-là. Donc, il avait développé Saint-Félicien, la Dorée, mais Normandin était quand même pas si loin de Robertval. Donc, eux autres pouvaient espérer, ces gens-là, faire de l'argent. Ils ne faisaient pas de l'agriculture de subsistance. Contrairement à ce que moi je croyais, c'était vraiment de l'agriculture de productivité. Il fallait qu'il soit productif dans ce temps-là. Puis c'était quand même payant. Parce que la coop d'Albanel, ici, en 1912, c'est la première qui a été fondée, c'est la première coopérative agricole de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis en 1918, il y avait une réserve générale de près de 48 000 $. Fait qu'il brossait un bout quelques piastres. Oui. Après ça, il y a l'autre secteur, c'est le secteur Péribonka. Péribonka s'est développé à peu près un petit peu plus tard, 4-5 ans plus tard que le secteur d'ici. Mais eux autres, ce qui était avantageux, c'est qu'il y avait le lac Saint-Jean, puis il y avait accès à Robertval direct avec le bateau. Donc, c'était vraiment de l'alimentation pour nourrir les gens autour du lac. C'était pas l'agriculture de subsistance. Nous autres, Mistassini, notre secteur, il est venu un petit peu plus tard. Puis à l'époque, étant donné que les communications, c'était les voies d'eau, c'était un peu plus difficile dans notre secteur.
Puis aussi, il y avait les pères trappistes, dont la vocation monastique ne cadrait pas nécessairement avec le développement agricole là, à fond. Fait que, puis se trouvait un peu, il était au pied du territoire, eux autres-là. Fait que ça a été un peu plus tard dans notre secteur. Il est arrivé l'époque après ça, 1920, là c'est la crise. Là, il y a du monde qui perd de l'argent, puis il y a du monde qui crève de faim en ville. Donc, ces gens-là, le gouvernement a favorisé l'établissement dans des paroisses, dans des terres moins accessibles, dans des terres moins productives. Parce que garder quelqu'un en ville à l'époque, l'histoire dit que ça coûtait trois fois plus cher garder quelqu'un en ville sur le chômage, un peu travailler, que de l'envoyer faire de l'agriculture sur un lot en campagne. Donc, il y a eu ça, il y a eu cette période-là. 1930 à 1935, il y a 800 familles qui sont établies sur notre territoire à la MRC, en agriculture de subsistance. C'est du monde, ça, là. Une moyenne de 6 personnes par famille. Ça fait du monde. Puis, après la guerre, il y a eu aussi, après la guerre, ce qui est arrivé dans notre avec le monde agricole, là, ça a recommencé à produire pour produire. Sauf qu'il y a eu l'industrialisation. Puis là, dans l'industrie, les gens gagnaient 2,5-3 fois le salaire d'un agriculteur. Ça, ça a tenu jusque presque aux années 70, ça, cette réalité-là. Puis à l'époque, ben, c'était pas très mécanisé, c'était pas très modernisé, là. Et c'était la sueur de ton front. C'était ça l'outil, là. C'était tes bras. Donc, les gens étaient habitués à travailler fort. Ils tombaient dans l'industrie, c'était un peu moins dur, avec une meilleure paye. Ça a attiré pas mal de monde. C'est ce qui fait que l'agriculture a pas mal stagné. Puis aussi, il y avait un manque de connaissances. La formation n'était pas là. Les gens faisaient de l'agriculture. Ils avaient appris avec l'agriculture de subsistance, mais il manquait de connaissances techniques pour faire de l'agriculture, pour être efficace. Sauf que c'est pas vrai que les gens n'ont pas fait de gros efforts, parce que moi, je me souviens très bien, dans les années 60, au début des années 60, mon père, 61-63, il était un des premiers, Saint-Stanislas, à vivre strictement de l'agriculture. Et c'était l'écureur, à cette époque-là, l'écureur automatique. As-tu pensé, toi? On avait l'eau chabarouette, là, c'était moderne. Le pipeline. L'envers. T'sais, on dit, dans ce temps-là, c'était pas si modernisé que ça, mais il y a eu une époque quand même, il y avait de la modernisation. L'insémination artificielle, drainage souterrain, chaulage des terres. Ça, c'est mon père qui a fait cette période-là. Mais il avait été reconnu qu'il manquait de formation, puis là, ils se sont donné des moyens pour apprendre. Puis nous autres, ici, localement, on a eu l'Université de Saint-Méthode. Il n'y a pas beaucoup de producteurs qui n'ont pas été à l'université, les vieux producteurs. Bon. Ils appelaient ça l'Université de Saint-Méthode, puis on a le recteur ici. C'est M. Claude Ouellet. C'est vrai. Tantôt, il me disait, des années 70, ça allait à 77. Okay. Fait que ça a été cette période-là. Là, après ça, est arrivée la période, à l'époque où moi, je suis arrivé en 79, avec la reprise de la ferme. Là, c'est sûr que ça a modernisé rapidement, mais les moyens n'étaient plus les mêmes, là. Les développements techniques qu'on a eus, on a eu aussi en agriculture, on a entendu parler tantôt... c'est exponentiel la façon dont le savoir se développe, parce que pour avoir assisté à une conférence dans l'an 2000, le conférencier disait que le savoir des 100 dernières années se multiplie par 2 à toutes les 5 ans, en 2000. Puis il disait que c'était exponentiel. Ça va venir qu'à tous les années, le savoir des 100 dernières années va se multiplier par 2, là, tu sais, parce que on se rappelle tous, on a tous des exemples. J'ai un exemple en tête, moi, quand j'allais à l'école où je venais, le frère est arrivé avec une calculatrice de poche, mais ça prenait une poche de jute, le traîner, là. Puis elle additionnait parce qu'il se trahait, puis elle faisait égal, puis pas grand-chose de plus que ça, tu sais. J'ai vu un ordinateur à l'université à Chicoutimi, qui avait un gars qui se promenait là-dedans, il y avait plein de femmes, c'était tous des langues, puis il y avait un homme à temps plein avec un escabeau, juste pour changer des langues. Oui. Fait que, regardez ce qu'on a aujourd'hui. C'est incroyable. Tout sur un téléphone. Fait que, imaginez-vous bien dans le temps où ça va être. Puis l'agriculture a toujours suivi là-dedans. Ça a permis à l'agriculture de se développer, d'augmenter la productivité. Parce que M. Duchesne nous disait hier qu'on n'a jamais... Comment est-ce qu'il avait dit ça? L'agriculture, c'est un des rares secteurs où on a augmenté notre efficacité pour vivre. On n'a jamais transféré le coût. Il faut augmenter l'efficacité en agriculture pour être capable de rester en agriculture. Il parlait d'un ratio là, dans d'autres secteurs comme de l'automobile. Le prix d'un automobile, par exemple, ça s'était multiplié par 15. Nous autres, en agriculture, le prix avait multiplié par 3.
le prix qu'on reçoit dans la même époque, même période. Donc, il y a eu de l'efficacité. Tout ça pour m'en venir du problème. Moi, là, je vous l'ai dit tantôt, ce qui est important, c'est de regarder d'où on vient, ce qu'on a, puis où est-ce qu'on veut aller. Il faut avoir une cible. Dans notre MRC, il y a des choses qu'on a. Ça a été mentionné tantôt. Entre autres, on a beaucoup d'ancrage, d'hectares de terre agricole. On est la MRC au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a le plus grand territoire agricole. On a parlé de nordicité. C'est pas une farce, ça, la nordicité, c'est quelque chose d'extrêmement important sur lequel on peut se différencier comme producteur. On a parlé qu'on avait des productions dans lesquelles on était performant. Pommes de terre, bleuets, canneberges, céréales, production animale, bœuf, agneau, laitière, on est là. On est là comme producteur. On a une expertise comme producteur. Ce qu'on a, qui n'a pas été mentionné tantôt, je pense, qui nous a permis de se développer. Pourquoi que M. Boivin disait que le monde agricole, c'est un monde particulier, c'est qu'on a appris à travailler ensemble. Nous autres, les agriculteurs, là, on a appris à travailler collectivement. On peut penser ce qu'on veut du syndicalisme agricole, mais le syndicalisme agricole, il y a un syndicat, l'UPA, pour le Québec. Ça ne veut pas dire qu'ils ne donnent pas des claques à la gueule de temps en temps, là-dedans. Mais on a réussi quand même à parler d'une seule voix. On a réussi à créer une expertise de travail collectif. Il y a des échecs dans nos regroupements collectifs, oui. Mais si on focus, si on se met à regarder les réussites qu'on a, qu'on essaie de sortir, pourquoi est-ce que certaines entreprises réussissent, je pense qu'on peut aller, on peut faire du pouce là-dessus. On a ça. On a des beaux exemples. La pomme de terre, Lac-Saint-Jean. Il n'y a pas plus d'entrepreneurs que c'était producteur de pommes de terre-là. Puis, je pense que pour développer les entreprises, il n'y a pas plus individualistes qu'eux autres. Puis, ils se sont regroupés pour se donner un outil que tout le monde avait besoin. Puis, c'est ce qui fait qu'ils se démarquent en Amérique. Ils réussissent à vendre de la semence partout. C'est des gens de chez nous, ça. Ils ont regardé ce qu'il y avait. Une montagne de roches qui séparait les autres. Moins dangereux de contamination, moins dangereux de maladie. Ils ont travaillé avec ça. Ils ont dit, regarde, on va se mettre ensemble, on va travailler ensemble. Puis j'ai vu ça, moi, je pense, au début des années 80, là, la formation de cette coopérative-là. Il y a nous autres à Coop des Deux-Rives, dont je préside la destinée. Coop des Deux-Rives, on a quand même, on s'en aperçoit, on est quand même un bon soutien. On a rendu avec un chiffre d'affaires de 30 millions avec nos membres. Donc, si c'est un besoin, ça ne va pas un besoin. On ne roule pas sur l'or, mais on fait notre affaire. Puis on rend service à nos producteurs. Il y a un autre exemple, c'est la société civicole. Société civicole, Mistassini, là, ça fait, France me disait là, que ça avait 40 ans d'histoire. Puis ça s'est formé sur une crise au moment où le gouvernement avait décidé qu'il fermerait les paroisses. Il a vidé des paroisses complètes, puis les gens en Gaspésie ont parti un mouvement qui s'appelle Dignité. Puis c'est de là qu'est née les sociétés civicoles pour faire de l'agroforestier. Ça prend en main, c'est venu un exemple. On a ça. Donc, on a des repères. On a aussi, tantôt, ça n'a pas été mentionné, je tiens à le mentionner, parce que des fois, on travaille comme si on était un petit village gaulois. On essaye de monter nos barricades pour faire bien attention pour que personne ne nous touche, mais c'est bien de valeur, il faut y baisser les barricades, il faut regarder ce qu'on a ailleurs. Quand on ne l'a pas connu, on peut l'utiliser pareil. On a l'Université du Québec à Chicoutimi. On n'utilise pas ça, pas du tout. Ça peut être un levier extrêmement intéressant. On a Agrinova. Agrinova, je préside Agrinova, je peux vous dire que c'est un outil qui va venir extrêmement intéressant pour les producteurs. Faites-nous confiance. Ça va, on va s'en servir, puis j'espère qu'on va s'organiser pour que ça réponde aux besoins des producteurs. Il y avait la ferme expérimentale, je pense que M. Fortin nous en a parlé tantôt. On a aussi le Collège d'Alma. Une maison d'enseignement. Il y a de l'ouverture. Ça veut s'organiser avec ces gens-là pour être capable qu'il y ait des formations adaptées aux besoins réels à notre milieu. Puis contrairement à ce que j'entends depuis un matin, on a de la relève. Les producteurs agricoles, on a de la relève.
Puis la preuve, c'est qu'à toutes les fois qu'on organise une activité pour la relève, c'est plein. On n'a peut-être plus la relève qu'on connaissait familiale. Ça se peut. Mais il y a des jeunes qui s'intéressent à l'agriculture. Puis si on est intelligent, on va lui donner les moyens, puis on va les encourager. Moi, je peux vous dire qu'hier, la conférence qu'on a eue de M. Harold Duchesne, à Coop, là, il y avait plein de jeunes qui étaient là. Quand ils sont sortis de là, ils avaient tous grandi de 6 pouces. Ils étaient contents de travailler et pour le monde agricole et comme agriculteur. C'est là. Je pense que, collectivement, on se doit de voir ça. Mais pour savoir où est-ce qu'on va, je me suis aperçu qu'on travaille souvent dans les moyens, comme producteur. Puis comme producteur, puis comme élu, puis collectivement, on est toujours dans les moyens. Je ne suis pas sûr qu'on se donne une cible. Moi, partir en char, là, puis pas savoir ce que je vais manquer de gaz, c'est pas ce que tu vois. Puis il y avait des chances que tu n'arrives pas à une place que tu aimes être. Hein? Prenez le bateau, mais on n'a qu'à prendre le bateau, toute la gang ensemble. Et on dit, on prend la mer, on traverse la mer, mais où qu'on va? Il faut avoir des cibles, des objectifs. Je pense que c'est la base de ça qu'on t'apprend à mettre en place aujourd'hui comme inversé. De là, l'intérêt de mon implication. Il faut se donner des cibles collectivement, où ce qu'on veut. Puis il faut être capable de se poser des vraies questions. Est-ce qu'on veut développer un modèle d'exploitation de notre territoire ou l'occupation de notre territoire? On ne posera pas les mêmes gestes. On ne fera pas les mêmes actions. On veut-tu développer un modèle de travailleur agricole ou un modèle de propriétaire agriculteur? Encore là, on ne prendra pas les mêmes moyens. Est-ce que les producteurs veulent la relève? Il faut se poser la question. S'ils veulent passer au cash, passer à la banque. Est-ce qu'on veut une répartition équitable de la richesse? Je termine là-dessus. Moi, ce que j'espère, moi, j'ai encore été à terre de mes enfants. Pas drôle. J'espère qu'on aura la chance d'emprunter la terre de nos enfants aux autres. Merci.
Au Québec, chaque année, la SOPFEU recense plus de 150 incendies provoqués par les articles de fumeurs. Afin d'éviter qu'une simple balade en forêt tourne au drame, évitez si possible de fumer en vous déplaçant. Si vous désirez griller une cigarette, faites-le en prenant une pause. Pour vous assurer de bien éteindre votre cigarette, vous devriez la tremper dans l'eau, l'écraser dans le sable ou tout simplement l'écraser fermement sur la semelle de vos chaussures ou sur une pierre. Enfin, prenez soin de jeter allumettes et cigarettes éteintes dans les endroits prévus à cet effet. Cet été, dans vos activités, soyez prudents et faites votre part pour la protection des forêts. Moi, j'adore courir. Pas dehors, je pars à courir, je vais vers l'inconnu, n'importe où, je me donne pas de trajet fixe. J'ai l'esprit tranquille, une certaine paix intérieure quand je cours. C'est une passion. S'entraîner régulièrement, aller à l'école, c'est relié à la persévérance. Pour faire ça, il faut être organisé. L'activité physique m'a appris à persévérer et à gérer mon temps. C'est utile dans la vie de tous les jours. Mes amis, c'est sûr qu'ils connaissent toute mon histoire. J'ai toujours été bien entouré. Décris Sam. T'es un gars ben smart, là. Il est tout le temps là pour nous. Quelqu'un vraiment gentil, oui. Peu importe ce qui t'arrive, il va tout le temps te remonter le petit moral. Il va toujours avoir le petit mot pour dire « Hey, lâche pas, champion. » Sam, c'est Sam. Je suis présentement étudiant en sciences nature dans le but de devenir nutritionniste. C'est sûr que la nutrition, c'est très important pour moi. Si je veux être capable de faire tout ce que je fais, j'ai pas le choix, là. On le voit dans sa vie, les choses qu'il a entrepris. Il a pris les moyens en conséquence. Il a toujours voulu les mener jusqu'au bout. Il veut toujours se dépasser lui-même. Il se pousse à fond tout le temps. À la naissance, qu'on l'a vu. Samuel avait une jambe plus courte que l'autre. Même s'il y avait une malformation à sa jambe droite, le pied était tout là. Suite à ça, on a décidé de prendre l'amputation. Le soir, avant l'amputation, j'ai une femme qui m'a téléphoné qui avait un fils comme Samuel qui avait été amputé dans des années auparavant, puis elle fait partie de l'association des amputés de guerre. Puis j'avoue que si je l'avais pas eu, elle, je sais pas comment j'aurais passé à travers ce moment-là, parce que elle avait passé ces choses-là, donc était la mieux placée sur Terre pour me comprendre en tant que mère, puis pour me rassurer. Un trésor pour moi. L'aide que les amputés de guerre m'apportent chaque année, dans le fond, tout le temps quand j'en ai besoin, c'est les nombreuses prothèses que j'ai eues. Les prothèses pour le sport, pour la natation, plein d'autres. Les prothèses pour la course. Celle-ci est faite complètement en fibre de carbone. Je pense pas réussir à briser ça dans ma vie entière. La philosophie des amputés de guerre, c'est d'accomplir le rêve des enfants. Et les amputés de guerre ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Le dernier séminaire qu'on a fait, c'est là que Samuel a rencontré Emmanuel. C'était tellement agréable de voir que les parents, ça leur faisait du bien à leur tour de voir notre fils se débrouiller. Quand j'ai été jeune, j'ai eu beaucoup de sport avec les plus vieux des amputés de guerre. Donc pour moi, c'est tout naturel de faire pareil, comme par exemple le petit Emmanuel. Il me dit qu'il aimait courir. Je le supporte à fond dans ce qu'il veut faire, peu importe l'activité. Et je vais être prêt à aider n'importe qui. Emmanuel, il vient d'avoir 4 ans. L'année prochaine, c'est la rentrée scolaire. Puis c'est ça qui me travaille un petit peu, que je sais pas trop comment... Ça s'est bien passé avec Samuel? La maternelle, nous autres. Quand on discute ensemble, on dit « Ah oui, c'est vrai, on a passé ça, nous autres aussi. » On se questionnait là-dessus, soit pour l'école ou n'importe quoi. Puis c'est bon de pouvoir, justement, les épauler là-dedans. Encore tu? Samuel, il a reçu beaucoup. Maintenant, il a appris qu'il pouvait donner. Samuel, je pourrais compter dans ma main les journées qu'il n'a pas été de bonne humeur. Il a 18 ans. Je le vois comme un encouragement, pas juste pour moi en tant que mère, mais pour ceux qui côtoient.
À chaque jour, vous déposez dans votre bac bleu des matières destinées à la récupération. Qu'arrive-t-il à ces matières? Où vont-elles? Saviez-vous que toutes les matières recueillies dans votre bac de récupération vont au centre de tri de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean? Collectées au porte-à-porte ou déposées dans des conteneurs, le verre, le plastique, le métal, le papier et le carton en provenance de partout au Lac-Saint-Jean se retrouvent ici, dans ces installations situées à Robertval. C'est la Régie des matières résiduelles qui opère, par l'entremise du groupe CODER, le centre de tri de Robertval depuis 2008. En 2010, les installations ont été agrandies et modernisées afin d'accueillir davantage de matières. Chaque jour, plusieurs milliers de tonnes y sont traitées et triées. Maintenant, regardons de plus près la mécanique du triage. Près d'une vingtaine de trieurs affairés démêlent les matières et s'assurent de la qualité de ce que vous récupérez. La première étape du tri consiste à enlever les matières indésirables. Après avoir enlevé ces matières, le carton est séparé mécaniquement, tandis que les matières restantes se dirigent vers la deuxième étape du tri. À cette étape, chaque matière est regroupée par type. Le plastique est trié manuellement par catégorie. Les boîtes de conserve sont attirées par une courroie magnétique. Le verre est concassé. Tout ce qui sort de la chaîne de tri tombe à l'intérieur d'une case. Une fois pleine, elle est vidée et les matières sont alors poussées dans un convoyeur qui les dirige vers la presse où elles sont mises en ballot. Les ballots sont par la suite entreposés et sont ainsi prêts pour l'expédition. Malheureusement, encore beaucoup de matières indésirables se retrouvent au centre de tri. Par exemple, les vêtements, les contenants de styromousse, les couches, le caoutchouc, les petits encombrants, les animaux morts, les restes de table sont des matières à ne pas mettre dans votre bac bleu. Et maintenant, quelques rappels concernant les bonnes pratiques en matière de recyclage. Il est important de toujours vider et rincer les contenants afin de ne pas souiller les autres matières. De plus, cette pratique favorise un environnement plus hygiénique pour les employés du centre de tri. N'oubliez pas de remplir vos bacs à pleine capacité tout en évitant les débordements. Videz les sacs publicitaires de leur contenu pour en faciliter le tri. Et n'oubliez pas, pour tout ce qui concerne les petits appareils électriques, les piles, les bonbonnes de propane, les meubles, les électroménagers, les pneus ou tout autre objet encombrant, il y a un éco-centre près de chez vous. Pour plus d'informations, visitez le www.rmrlac.qc.ca. Je vais mourir. Je peux pas mourir ici. Les troubles anxieux.
on doit les prendre au sérieux. Je suis tellement contente parce que, grâce à la loi sur l'équité salariale, c'est comme si ma mère avait récupéré 10 ans de sa vie au travail. Avec la loi sur l'équité salariale, vous pourriez obtenir un ajustement salarial rétroactif jusqu'à 2001. Vérifiez si vous y avez droit.